nom l'indique, c'est un skate qui est entraîné par un moteur. On a une courroie qui entraîne le moteur avec une petite batterie et une télécommande qui permet d'accélérer et de freiner. L'utilisation du skate électrique se fait dans les chemins privés, les forêts, les pistes de BMX, etc. Ensuite, c'est sûr qu'il est interdit sur la voie publique. Salut tout le monde, je vais vous présenter un petit peu plus en détail comment fonctionnent nos skates électriques. Alors le skate fonctionne avec la télécommande qui permet d'accélérer en l'appuyant et de freiner en poussant. Pour l'allumer, il y a un petit bouton avec un bip qui signale que la télécommande est bien en route. Il y a également trois vitesses que l'on peut régler qui sont situées sous la pile de la télécommande. C'est un petit levier à régler en fonction de l'utilisation des personnes, de leur niveau, etc. Ensuite, le skate, on a un bloc batterie, un variateur, un moteur et une courroie qui entraîne le tout avec une seule roue motrice. Ensuite, la direction se fait comme sur un skate classique, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur les pieds en prenant des quarts. Alors bien évidemment, nos skates sont maintenant conformes à la directive machine européenne. Cette directive nous a donc obligé à mettre un leash de sécurité qui permet, de, quand on tombe du skate ou qu'on descend, à ce qu'il s'arrête automatiquement. La gamme Evo Skate est composée de trois modèles bien différents et qui ont chacune une utilisation différente également. Nous avons l'Evo 150 qui est le skate le plus léger, donc qui permet de faire un petit peu de freestyle. Il va à 10 km/h et a une autonomie d'environ 10 km. Ensuite, on a l'Evo 600 qui lui est beaucoup plus rapide. Il va à 25-30 km/h et a une autonomie également d'une vingtaine de kilomètres. Et l'Evo 800 qui est le modèle tout terrain de la gamme, donc qui permet d'aller soit sur la plage, en forêt, sur les chemins de BMX, qui lui a une autonomie également d'une vingtaine de kilomètres et une vitesse de 25-30 km/h également.